عن بلدي احكي لي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابلي عن اهلي حكايي عن بيتي حكايي عن جار الطفولة حكاية طويلة La calligraphie est l'art de tracer manuellement les lettres, celui de former les caractères avec esthétisme grâce à différentes formes variées. L'écriture arabe est cursive, cela signifie que les lettres sont liées entre elles, ce qui permet d'acquérir différentes formes géométriques à travers l'allongement, le raccourcissement, la courbure, l'étirement, l'angulation, l'entrecroisement et les différentes compositions. La calligraphie est associée à l'art de la décoration arabo-islamique. Elle a servi à décorer les mosquées et les palais, et à orner les manuscrits et les livres, en particulier les copies du Saint-Coran. Les points de vue des chercheurs divergent sur l'origine de la calligraphie arabe. Cependant, nous pouvons les regrouper sous de grandes hypothèses. La première est celle adoptée par certains historiens arabes qui supposent que la calligraphie arabe dérive de la calligraphie al-musnad dont on a connu quatre ramifications. La calligraphie safavide par rapport à Safa, la calligraphie tamoudienne par rapport à Tamud, la calligraphie layanienne par rapport à Ayan et la calligraphie sabien qui est arrivée du Yémen à Anbar, puis à Hijaz. La deuxième affirme qu'elle résulte de la calligraphie aramienne, qui dérive de l'écriture phénicienne, à même titre que l'indien, le persan, l'hébreu, le syriaque et le nabatéen. Les chercheurs affirment que la calligraphie arabe se divise en deux grandes branches, le koufi qui est inspiré du syriaque et le nasri inspiré plutôt du nabatéen. Quand les Arabes avaient reçu l'écriture, ils menaient alors une vie bourmanomade. Ils n'avaient pas la stabilité d'une vie sédentaire qui leur permettait la créativité. La calligraphie est devenue un art entier seulement après la création d'un grand état arabe et en de nombreux centres urbains qui se rivalisent de splendeur, de puissance et de culture comme à Kufa, à Bassora, au pays du Cham et en Égypte. Ainsi, les artistes calligraphes ont décidé d'améliorer et d'innover de nouveaux styles de calligraphie. Les Arabes avaient l'habitude de dénommer les styles calligraphiques par le nom de la région dont ils sont originaires, parce qu'ils les avaient reçus de ces régions, comme c'était l'habitude pour les autres marchandises. C'est pourquoi la calligraphie arabe pré-islamique a été désignée par le nabatéen. Cette calligraphie est venue en Arabie grâce aux échanges commerciaux entre ces régions. Lorsque la calligraphie arabe s'est stabilisée à la Mecque et à Médine et a commencé à se répandre, elle a été désignée par les ablutions Makki et Madani. Cependant, elle a atteint son apogée en Irak et au pays du Levant après l'élargissement de l'État arabo-musulman à l'époque des Omeyyades et des Abbasides par la suite. Dans ces deux États où les mouvements d'urbanisation étaient en plein essor, les inscriptions sont apparues sur les plateaux, les ustensiles et les objets d'art, accompagnés d'une volonté accrue de calligraphier le Coran d'une manière esthétique et raffinée. Les Arabes et les musulmans ont inventé de nombreux styles calligraphiques dont les plus célèbres sont le koufik, le plus ancien, le nasri, utilisé dans le Coran, le tulut, appelé ainsi en référence à l'épaisseur du stylo, le rika, la calligraphie arabe la plus utilisée et la plus courante, le diwani, attribué au diwan des sultans, et le style farisi en référence à la perse. Thank you.
anguleux et géométrique, style utilisé autrefois par les scribes de Koufa pour copier le Coran tout au long des 5 premiers siècles de l'Égypte. Il a servi également à la gravure des inscriptions dans la pierre. Il est encore très employé de nos jours dans la décoration architecturale. Développé dans la ville de Koufa en Irak, il s'agit de la plus ancienne forme calligraphique de l'arabe, dérivée de l'écriture nabatéenne. Il s'est développé et a évolué au fil du temps, donnant place à plusieurs variations. Nous le retrouvons en Égypte à l'époque des Fatimides, à la grande mosquée de Kairouan en Tunisie et dans les pays du Maghreb, à la grande mosquée de Cordoue en Andalousie et dans d'autres pays arabes. Les spécialistes ont identifié plusieurs variétés du style koufique, parmi lesquelles nous pouvons citer le koufique fleuri, le koufique tressé et le koufique géométrique. Dont les origines remontent au 8e siècle, Ebrech de Toulouse, mais il est plus basique et moins difficile. Il a gagné en popularité après que le calligraphe notoire Ibn Mukla le retravaillait au 10e siècle en une forme plus rythmée, avec l'arrivée du papier qui succéda au parchemin, et grâce à Ibn al-Bawab qui en fit une calligraphie élégante. Ce style gagna ses lettres de noblesse et servit d'écriture principale pour les Corans. Aujourd'hui, il y a plus de Coran copié en Nasri que dans toutes les autres écritures arabes réunies. Il est presque toujours composé de courbes très horizontaux et de verticales d'égale hauteur au-dessus et au-dessous de la ligne médiane. Les courbes sont pleines et profondes, les jambages droits et verticaux. Considérée comme la calligraphie la plus belle et la plus difficile, à Barou au 7e siècle, c'est une calligraphie statique et monumentale, surtout utilisée à des fins décoratives dans les manuscrits et les inscriptions. Elle a également servi pour la copie du Coran, surtout pour les têtes de chapitre et les colophons. On la juge comme la plus importante des écritures ornementales. Un calligraphe de renommée est celui qui maîtrise bien l'écriture du Tulut. Abolé aussi altalique, il est léger et élégant, comme suspendu. Créé par les calligraphes de la Perse pour les recueils de poésie, il est devenu un des styles prépondérants chez les Persans, les Indiens et les Turcs. Abolé également Al-Tawqi' et Al-Rihani. Sa dénomination vient du titre Ijaz, qui signifie un certificat qui donne le droit d'accepter une commande et d'enseigner la calligraphie. Ce style a débuté à Bagdad puis s'est développé dans l'État ottoman. Il se caractérise par un mélange entre le Nasri et le Tulut. Il a la beauté et la simplicité du Nasri et le prestige et la magnificence du Tulut. Il ravit le spectateur et repose son âme. D'origine turque et ayant connu son summum durant le règne ottoman. Ce style de calligraphie arabe se définit par l'élongation des caractères et son allure ornementale prononcée. Le diwani ressemble au rihani, mais il en diffère par l'entrelacement de ses lettres entre elles d'une manière cohérente, spécialement entre les alephs et les lames. Le rika aux petites feuilles dérive du nasri et du tulut. L'aspect géométrique de ces lettres et particulièrement les ornements des finales s'apparente largement à celle du tulut, mais elle est bien plus petite et dotée de courbes plus arrondies. C'est de nos jours l'écriture manuscrite la plus employée dans le monde arabe.